Ah, salut tout le monde les amis, bienvenue aujourd'hui dans notre 6ème épisode, notre let's play sur BioShock Infinite. Ça fait plaisir une nouvelle fois de vous retrouver. Alors, je me suis un peu renseigné. Je me suis renseigné un petit peu sur la chaîne de Super Brioche. De Super Brioche. Bon, je vais prendre ça. Un plombier pour réparer un tuyau sur Pearl Street. Première enchère, 20 minutes. Quelqu'un pour 19? 18. 18 minutes. J'ai 18 minutes. 17 minutes. J'ai 17 minutes. 14. 14 minutes. J'ai 14 minutes. 10. 10. J'ai 10. 9,50. 9,50. Qui dit mieux? 9 minutes 10. 9 minutes 10. What the fuck? Alors, je suis renseigné comme je l'ai dit et on est sur sa chaîne, on serait à l'épisode 9. Sur sa chaîne, on est à l'épisode 6. En fait, que là, voilà, on est en plein épisode 9. Hop, ah, t'as de l'argent. Ça fait plaisir. Bah, en tout cas, ça fait toujours ultra plaisir de vous retrouver sur du BioShock. Vraiment, ça fait super plaisir. Ça faisait depuis hier et j'ai vu que la vidéo vous a pas mal plu. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Bon, donc ça voilà, vous avez remarqué que depuis le début de la série, pour ces pour les machins de genre, je me tais et je vous laisse apprécier. Ah, fais la place. Oh putain, il y a pas mal de balles là-dedans. Donc, dans cet épisode, notre but c'est de trouver l'armurier. Entrer dans l'armurerie. On est dans l'armurerie de. Je n'arrive toujours pas à Filton. Boutique de Chen. Alors, on fouille un peu. Ah ouais, quitter l'armurerie. On est dans l'armurerie. Donc, à partir d'ici, je ne connais déjà pas le jeu. Donc c'est par là. Mais moi, j'ai envie de fouiller un peu par là d'abord. Voilà, par exemple, les petits tonneaux, ça peut enfermer un peu de santé. On irait aussi améliorer pas mal la santé. Alors, canon à rafale. Et ça, franchement, ça va être cool quand on va là. Excusez-moi. Pas rentrer dedans. Ah, les cristaux. Ah ouais. Ah, c'est le machin ardent. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, comment on fait pour changer. Ah. D'accord. Ouais, bah ça c'est la base. C'est plus ça, j'aime pas. Et moi, je vais prendre. Voilà. Voilà, c'est bien mieux. Putain, pourquoi maintenant j'ai du mal dans les. Oh putain. Je comprends pourquoi j'avais du mal dans les trucs. Parce qu'en fait, le truc pour la possession, là, c'est un peu de la merde. Bon, ça a l'air utile, mais vraiment, c'est pas utile du tout. C'est plutôt un handicap. On a plus beaucoup de fusées à pompe. J'ai déjà vu ça. Ouais. C'est le Bouddha Gautama. Qui? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Attends, moi je baisse un peu, je augmente un peu le son. Illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Ouais. Voilà. Parce que vous avez le son comme j'ai mis dans le jeu, sauf que moi j'ai besoin d'un son plutôt assez fort, quand même, si on met dans mes oreilles pour entendre vraiment les paroles. Vous avez le son que j'ai baissé. Attendez, est-ce que le son était baissé? Parce que j'ai marché dans les copies. Ouais. Je crois que j'avais pas dû appuyer sur les bons boutons. Voilà, maintenant tout est pareil. What the fuck? Oh, oh! Oh, stylé, stylé, stylé. Alors, attends, on fouille un peu. On prend ce qu'il y a dedans. Et on gagne pas mal d'argent. Hein. On dirait Big Ben. Pour ceux qui suivent mon let's play sur Assassin's Creed du Syndicate, franchement vous remarquerez peut-être un petit peu.
Eh oh ! Monsieur Lin ! Monsieur Lin ! Chen Lin ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez ? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger. Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti ? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Amélie. Où l'ont-ils emmené ? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin ? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas oh le elle pauvre. Qui nous oh non, ça me fait de la peine. Ouais, toi, ça me fait vraiment de la peine. Je vais aller, je vais aller aider son mari. On est à la recherche de ce club Bagatelle. Club Bagatelle, on arrive. Bon, je pense qu'il va y avoir un carnage dehors. Bon, c'est pas grave. On a les corbeaux. Et je pense que vous avez tous remarqué que les corbeaux, putain, c'est ultra pratique. Les corbeaux, c'est vraiment mon pouvoir préféré. Genre vraiment, il va falloir que je les améliore. Ah, je les ai pas encore améliorés. Ah non, c'était à 85. Attends. Ah, c'est pas comme dans le pro. Wow. Oh putain. Fait mal, lui. Prenez ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Et voilà. Vous êtes blessé. Je suis bloqué. Mais je suis là. Ah, il fait mal lui hein. Oh faut aller. On prend. Je ne vous aime pas beaucoup, monsieur David. Mais je dois reconnaître, vous avez le point vigoureux. Désolé pour ce que j'ai dit sur les quais. Vous n'êtes pas un voyou. Ah ouais. Je vois pas trop comment je t'ai fait changer d'avis. Vous m'avez protégé. C'est mon boulot. J'aime beaucoup cette arme, mais elle a tellement peu de balles. Oh. Ouais, on va vite en moins. Mais en même temps, on a vraiment pas beaucoup de balles de cette arme. Mais la banane, je trouve quoi comme une banane. Peut-être des trucs là, chouille. Hein. Oh là là. Booker, tenez. Des munitions, tenez. Ouais, à part un chouette, il y a un truc là. On est arrivé. Ouais. Réflecteur. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être une arme assez puissante. Je pense que pas mal de... La plainte qui vous tient le plus appelle-moi souvent Booker. Chez l'ouvrier, et c'est que sa vie ne lui convient pas. On nous appelle comment ? Ouais, Booker. C'est vrai. Club Bagatelle.
Oh là là, c'est un bordel ici, mon clan. Où les lions rugissent, le spectacle va bientôt commencer. La carabine n'avait pas plus. DeWitt, vous voilà, mon garçon. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Oh merde. Je vous observe depuis cette histoire. Ah. C'est pas ça, j'ai la 40. Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Finn? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Oh putain. Votre expérience chez Pinkerton pourrait mettre une aide précieuse. Oh putain. Prenons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de PK. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas laissé un bras à l'ébanier. Pour l'instant. Oh putain, d'accord, j'ai pas compris. Oh là. Attention. Elisabeth. C'est fait. Oh non. C'est une blague. Je l'ai pas encore trouvé. Booker, attrapé. J'ai trouvé des munitions. Putain. Il tire tout le salaud. Oh d'accord. Je n'avais pas compris. Je laisse. Oh là là. Un pur nom. Les résultats sont excellents. Laissez les flammes vous plus. Rien d'autre pour le moment. Prenez ça. Merci. Merci. Que nous recherchons chez Fink Industries. Putain, ils font mal, hein. Genre vraiment, ils font super mal. Oh putain. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais oh. Sans cette brave femme, il ne sait plus trop là, quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Guidez-moi, Madame Comstock. Pour une chanson. Vous dépassez toutes mes attentes, mon garçon. Continuez. Ah ouais, j'avais dit, c'était vraiment une action que j'aimais pas trop. Mais là, franchement, les mecs, l'histoire elle est captivante, hein, mort jusqu'à la fin. Putain, merde. Oh putain, j'ai pas vu. Il m'a fait peur. Attends, là, j'ai un maximum, c'est 18 balles. Oh putain. Est inconnable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Putain, mais il y en a marre de ce truc-là. Mais... putain de merde. Oh putain d'accord. Oh putain tout mal. Oh d'accord. Oh putain. Oh putain. Tout mal. Super mal.
je parle. Ça pouvait pas mieux tomber. Ah ouais, non, là. C'est tout. Putain, merde. Oh, putain, merde. Vas-y, tu peux prendre des balles. Y'a un bug. Super. Je peux prendre des balles. Votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point Elisabeth, c'est fait. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire. J'obtiendrai ce que je veux. Booker, il y a une porte ici. Putain, merde. Je crois que c'est pour descendre. Attendez, je vais juste rechercher mon arme qu'à l'étage. Parce que ça, je sais pas trop la manière. En fait, c'est vraiment genre la Gatling. Mais un peu trop puissante, si vous voulez. Il remet une balle là-dedans. Bah ouais. Elle a pas beaucoup de balles, mais c'est normal, assez puissante alors. Ah, mais je pense que j'ai même pas fouillé ces trucs. Oh putain, le con. Ah ouais. Tu m'étonnes. Oh. Ouais, c'est parti. Oh là là. Ah, encore un voxophone. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Putain, et franchement, les mecs, l'histoire, elle est passionnante à mort. Moi, je trouve que c'est une des plus belles histoires. Une femme d'aujourd'hui. De 1912. On pourrait être en 2012, qu'un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. C'est fini. Encore de l'argent. Hop. On arrive à 2000, hein. Presque. Putain, elle a dit même en 2012. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Alors, attendez, excuse-moi, je vais me fouiller. Alors, attendez, là, tu vas te rejeter cette Elisabeth, pièce. Un petit coup de main. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Fitzroy. Contre les gens comme moi. Allez-y. C'est une zone... C'est pas une zone annexe? C'est vraiment une zone principale, ça, dans un sens. Columbia! Vous avez vu où? Oh là là, il me donne enfin des balles là-dessus. Putain, c'est une arme puissante, mais il me donne tellement peu de balles, c'est... Ah bon, ça devient pratiquement un handicap, hein, leur machin. Prendre le codex. Oh, ah. C'est un codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi. Des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. Oh putain. Un code secret là-dedans?
pas de secret de la Vox Populi. Elisabeth, ça va, non? Ah, peut-être ça, là. Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de Bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore trois autres derrière. C'est pas très beau. Bon, dis-moi dans les commentaires, en tout cas, où est-ce que se trouve ça. Quelle est cette odeur? Y a pas de toilette ici. Ils se traitent comme des animaux. Ou deux headshots. Oh là. C'est l'homme noir plus que l'homme blanc. Cela n'est-il pas cruel? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel? Donner le droit de vote à l'homme blanc. Ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil. Fink n'a pas besoin de raison. Non. Non, c'est vrai. Permettez-moi de retourner la question. N'est-il pas cruel de bannir vos enfants du jardin de la perfection ou de noyer vos ouailles sous un océan? La cruauté peut être source de savoir. Et qu'est-ce que Columbia, si ce n'est l'école du Seigneur? Ah là, c'est la 9. Mais non. Tu peux me crocheter ça? Laissez-moi voir ça. Oh! C'est fait. Je sais pas si on était fait pour être là. Mais. Chapeau mécanicien averti, vous êtes. Plus difficile à repérer, touche les tourelles automatiques, les Zeppelins et les Patriotes motorisés. Oh, laisse-moi sortir. Mon épingle. C'est verrouillé. Oh, ça ne prendra pas de temps. Oui. Mais c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Et voilà. Je te vais fouiller. Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de Yen chez eux. Oh. Ouais, bah, c'est peut-être moi qui vais te tuer, finalement. J'ai trouvé un crochet. Où ça? Tu me le passes sur le crochet. Bah, elle a un crochet, bon. Oh là. Elisabeth, tu vas attendre 30 secondes. Attends, Elisabeth, attends. Ah, tiens, crochet. Putain. Ouais, moi, bon, c'est un truc là-dessous, je ne le vois pas. Hein. Je pense le code de la Vox Populi. Oh non, mais non. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez. Et de cet angle? Vivant. Booker. Chen Lin. Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort.
vivant. Il faut qu'on rejoigne cet autre Columbia, mais... Mais comment ? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt ? Bon, vous voilà. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Nouvelle arme, le réflecteur. Donc il n'y a pas de cadavre, bon, c'est notre colombe. Oh putain de merde. Oh là là. Je ne comprends pas comment Chen-Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. C'est ça. Je les ai tués. Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Booker, leur nez... tous. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils se rappelaient. Se rappelaient quoi ? Qu'ils étaient morts. Oula, on est dans une autre dimension là. Qu'est-ce que c'est que ce tourbillon, Sandsmark ? Allez, sortez ! En tant que directeur de la sécurité. Oh putain ! Oui, il a fait mal là. Il y a quand même. C'est toi, Storm encore. Là. Ah ouais, par contre, t'as plus de balles. Je comprends pas trop là, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, Booker. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Là, je veux bien adorer le jeu, mais là, je suis perdu. Le jeu est toujours bon, hein. Y a pas de problème. Hein. Mais je comprends pas. Hein. J'ai un problème. Je ne comprends pas. Autre dimension, ouais. Bah, le mini-gen est toujours là pourtant. Hein. Oh là là, ça part en couille là, je comprends rien. J'aime bien ne pas comprendre dans les jeux, c'est ça vraiment qui me donne envie de continuer au jeu, parce que là ça devient vraiment ultra intéressant. En vrai ça devient intéressant. On va pas s'arrêter tout de suite, mais... Ce serait bête de s'arrêter maintenant quand même. On en apprend vraiment beaucoup plus sur l'histoire. Elle arrive. Attends, il va falloir vraiment qu'on commence à faire nos... Ça c'est les lance grenade, fusil à pompe, fusil de précision, pistolet, mitraillette, fusil de précision, carabine. Il y a toujours pas pour le fusil à main. Tenez, gardez ça. Hop. C'est parfait. Bon, ça me saoule vraiment de tourner que des vidéos comme ça. Je pense qu'il y aura un live dans pas long.
dans pas longtemps. Mais c'est, j'ai envie de vraiment de faire un live pour vraiment tourner. Je pense que peut-être pas demain, mais je pense que un après-midi vraiment, il y a rien à, où j'ai rien à faire pendant la semaine d'après. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura un live. Peut-être qu'on fera le DLC en live, c'est très possible. Oui. Votre salaire vous déplaît ? Ne vous laissez pas abattre. Ne me forcez pas la main. L'histoire nous dit que ce n'est pas le cas. Putain, d'accord. N'acceptez pas qu'on le paye au chômage. George Washington n'accepta la présidence. Oh non, c'est vraiment merdé, c'est pas marrant. Bien, c'est mieux quand même le réflexeur machin chouette. Hein. Ah ouais, non, vraiment, c'est nul. Oh, comment ça c'est... Oh putain, oui, d'accord. Eh ouais, bah, merci. Mais non, mais je m'en fous, ça. Putain, mais... Oh putain, le lait, il a un lance-grenade. Oh putain, mais. Ah ouais, le lait, il me l'a flanqué. J'aurais dû utiliser le. Ah, dis-moi c'est lui. Mais c'est pas lui, mais merde. J'aime les dames qui savent apprécier la vraie valeur. La vraie quoi? C'est un châle ça, t'es en train de me dire? D'accord. C'est sûr que tu vas bien, vous allez bien avec les armes. Ouais, parce que j'ai juste. Mais c'est ça comme ça, hein. Ça va me falloir vraiment pas mal de. Je ne comprends pas là. Attendez, là, on a vraiment une bonne. Là. Ouais. Quelqu'un qui a donné votre travail à quelqu'un d'autre. C'est même pas des vrais en plus. Ah bah attends, il y a du cristal là-bas. Oh, et je crois qu'il y a ce que je veux. Faisais de précision, c'est vrai que je suis pas. Non, mais putain. Mais... C'est votre foyer. Si vous ne le protégez pas, qui le fera? Ah ouais, la 3 balles avant. Non, mais ouais, mais j'ai rien du tout. Il me faut un beau truc là. Mais ça me travaille, sauf que moi j'ai le lance-grenade. Voilà, hop, c'est parti. Il y a un truc là-bas. On va aller voir machin et après on s'arrêtera. Vous entendez? De la musique. Ça vient de cette faille. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendue. Ouais, on va aller voir Clinton pour que l'épisode s'arrête. Je vais encore faire un épisode de 50 minutes sinon. Je le sens bien, l'épisode de 50 minutes, ça va arriver.
Bonjour, je viens pour l'inspection sanitaire. Oui, on quitte la zone pour aller dans l'armurerie de Finchton. De Finchton. Bon, du coup, il faut remonter. Vous entendez quelque chose? Hein? Pas de machine, pas d'outils. Allons voir cet armurier. Il est peut-être Regardez. En haut. L'hôtel, c'est une statue de Comstock. Ah! Donc là, on est avant ou après, du coup? Monsieur Lin? Chen Lin? Pardon, Chen Lin? Qui êtes-vous? Parlez! Plus fort! Machine faire beaucoup de bruit, moi, pas entendre! Je suis Booker DeWitt. Reculez! Machine très dangereuse! Attendez en bas avec Madame Lin! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse! Idiot, rien à faire ici! Vous pas tenir à votre tête? Monsieur Lin, c'est... Bas. Mais qu'est-ce qui lui prend? On se souvient de l'avoir vu mort. Soignez mon mari. Qui sait? Calmez son esprit. Aussi. Soul, vous vous mettez à... Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Lin. Non, je cherche une petite femme asiatique, elle était... Booker, c'est elle, Ils ont Madame pris Lin. Ses outils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être... En travaillant, il... Madame Lin, pouvez-vous me dire qui a pris ses outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. Oh putain, on leur devoir faire un truc. C'est bien vrai? Ces outils pourraient lui rendre l'esprit? Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Allons à Shantytown. Oh. Bon, les amis, on s'arrête là pour cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous retrouve demain pour notre 7ème épisode. On avance énormément bien, je trouve. On est mort encore une fois dans cet épisode. Bon, on n'est pas encore à notre quota des 1 kill par épisode. C'est vrai que le premier épisode, on est quand même mort plein de fois. Pointez pas ça sur moi. Que faire ? Moi je vous retrouve demain pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Il y aura un live, je pense, spécialement pour le DLC. Le DLC, je pense, sera fait en live l'après-midi. Ce sera pas des gros épisodes, je pense que ce sera des lives d'une heure et demie. Il y aura un peu de bruit par-ci par-là. Bon, je suis pas youtubeur à plein temps, donc du coup, je suis youtubeur seulement le soir. Mais là, je ferai peut-être une exception quand même pour vous. Je passerai un peu plus de temps, je pense, sur YouTube, spécialement ce jour. Pour pouvoir vous tourner une vidéo sur BioShock Infinite pour le sur le DLC Tombeau sous-marin. Parce que ce sera le DLC. Je crois qu'il se passe après les événements du pro de. Visez autre chose que moi. Bon, on s'arrête là, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, ça fera très plaisir. Donc, portez-vous bien, c'était H47, bye les amis.